Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature. Au terme de cette nouvelle vidéo, vous serez en mesure d'utiliser des pigments pour réaliser des salissures sur vos figurines, mais également sur vos bustes. Sur cette figurine, j'en ai mis sur la base, sur les bottes, le pantalon, le bas de la veste, un peu partout, y compris le casque, pour réaliser des zones de frottement plus ou moins sales avec des pigments, y compris les coudes, enfin un certain nombre d'endroits que vous allez découvrir. Pour cet apprentissage, je vous propose de travailler sur mon projet de montage et de mise en peinture de cette figurine, le DAC Panzer Pioneer de 1942 de chez Andrea Miniature, figurine au 1/16. Pour réaliser les salissures sur la figurine, je vais utiliser du pigment. Alors là, j'ai deux pigments. Le premier du North Africa Dust, qui est un peu un beige très très clair. Et un second un peu jaune, qui est du Middle East Dust. Je vous mettrai les références dans la description des produits de chez MIG, mais vous en trouvez chez d'autres marques. Vous trouvez également des pigments. Donc je les mets dans un petit récipient comme ça, un petit peu de pigments de chaque couleur, comme ça je pourrais utiliser soit l'un soit l'autre et à des endroits faire un mélange des deux également. Avec ça, un léger pinceau petit, comme ça on travaille gentiment avec pas trop de pigments sur la figurine, vaut mieux aller gentiment puis de passer plusieurs fois sur les endroits qu'on aimerait salir au niveau de la pièce. Donc je vais commencer par les bottes et des endroits sur le pantalon et des zones de frottement sur également sur la veste. Alors comment on pratique ça? C'est assez simple en fait, hein, mais il faut y aller vraiment tout doucement, de prendre avec à l'aide de votre pinceau un tout petit peu de pigment sur la pointe du pinceau. Même principe que quand on fait de la peinture à l'acrylique, on décharge un petit peu et puis on vient frotter la zone. Voilà, donc je vais attaquer les bottes. Quand on l'applique, après on fait des petits ronds comme ça pour bien un petit brossage pour bien étaler le pigment sur la zone. On met pas trop, sinon ça retombe tout sur le socle. Alors un petit peu ça va, mais à la longue il faut pas qu'il y en ait trop qui retombe sur la base. Ça donne rapidement l'effet vraiment de salissure sur l'objet. Alors vous pouvez aller avec du clair sur les zones foncées. Et le Middle East Dust
sur les autres zones. Les genoux, les zones des genoux. On peut souffler aussi un tout petit peu légèrement. Attaquer le bas de la veste. Alors c'est super léger, mais ça donne un bel effet. Pas hésiter à forcer certaines zones pour les faire ressortir vraiment bien avec de la poussière. Comme ici, le bas. De la veste. L'application des pigments pour les salissures est terminée. C'est uniquement à la fin qu'on applique de nouveau des pigments sur le sol. Quand on applique sur la figurine, il y a toujours un petit peu qui tombe. Donc comme on ne sait jamais par les pigments sur le sol, comme on sait par la figurine, il y en a toujours un petit peu qui tombe sur la base. Et après, vous réutilisez les pigments qui sont tombés. Et puis, au besoin, vous en rajoutez sur certaines zones pour bien marier la poussière de la botte avec son entourage. Avec le même pigment, de la même couleur. Ici, mon décor, j'avais quelques petites brindilles qui étaient mal collées, donc j'ai remis un petit point de colle. C'est pour ça que c'est un petit peu humide ici, pour faire tenir la petite brindille du décor. Voilà. N'oubliez pas, il y a la figurine qui a du pigment, bien sûr, sur certaines zones, les manches, le bas de la veste. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a le décor aussi, donc j'en ai rajouté également sur le panneau des mines pour que ça fasse un tout, hein. Il faut que ce soit homogène, donc sur le petit panneau, sur le bois à l'arrière, au bas et un tout petit peu également sur la brindille sèche. Cette vidéo termine toute la série dédiée au Dach Panzer Pionier de 1942 de chez Andrea Miniature, figurine O1/16e, figurine que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à réaliser, à partager avec vous avec toute une série de vidéos. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, un petit pouce vers le haut, partagez-la également, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque-là, portez-vous bien. À vos pinceaux. Ciao !